Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous proposer une séance de yoga sur chaise. Alors installez-vous confortablement sur votre chaise, on se mettra plutôt à l'avant de l'assise et vous allez allonger votre colonne vertébrale. Poussez bien dans le sommet de votre crâne pour allonger un peu plus l'arrière de votre tête, votre colonne cervicale. Fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Et on va juste ici faire un petit tour d'horizon de notre corps. Observez si vous avez des tensions, peut-être au niveau du bas du dos, ou bien encore les trapèzes, les épaules, les cervicales. Donc ici, on ne fait aucun jugement, on vient juste observer nos tensions s'il y en a. Puis doucement, je vous invite à ouvrir les yeux et vous allez amener le menton en direction de votre gorge et étirez bien votre nuque. Puis ramenez votre tête au centre, regardez en direction du plafond mais sans basculer votre tête vers l'arrière pour ne pas pincer vos cervicales. À nouveau, enroulez légèrement votre tête, le menton dirigé vers la gorge. Et on remonte doucement le regard en direction du ciel. Et ramenez votre tête au centre. Puis vous allez déposer vos mains au niveau de votre tête, à l'arrière de votre tête. Ouvrez les coudes, inspirez ici. À l'expiration, rapprochez les coudes et enroulez un tout petit peu votre tête, le menton dirigé vers votre gorge, vers le sternum. Sentez le poids de vos mains ici qui viennent étirer tout l'arrière de votre nuque. Inspirez, écartez ici vos coudes, expirez, rapprochez un peu les coudes et enroulez la tête. Et encore. Et on expire. Et une dernière fois. Et expirez. Et ramenez votre tête dans l'axe. À présent, venez déposer vos mains au niveau de vos genoux. Inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, les épaules ici reculent vers l'arrière, rapprochez un petit peu vos omoplates l'une de l'autre. Et à l'expiration, on vient pousser ici le milieu du dos vers l'arrière. Aidez-vous de vos mains, de vos genoux ici pour accentuer cet étirement. Inspirez, à nouveau amenez la poitrine vers l'avant. Expirez. Vers l'arrière. Et encore, inspirez, rapprochez un peu vos omoplates l'une de l'autre et expirez. Et encore une fois, inspirez, laissez la poitrine jaillir vers l'avant et expirez. Poussez bien ici vers l'arrière, le regard en direction du nombril. Et on revient en neutre ici. Puis vous allez déposer votre main droite au niveau de votre assise. Montez le bras gauche et doucement flexion vers la droite. Étirez bien ici votre bras. Sentez tout l'étirement qui se fait tout le long de votre flanc ici. Et on revient. Et amenez votre main gauche au niveau de la chaise. Inspirez, montez le bras droit et flexion. Amenez votre épaule droite légèrement vers l'arrière pour bien ouvrir l'espace du cœur. Et on va alterner. Inspirez, c'est le bras gauche ici qui monte. On s'étire. Revenez au centre, inspirez, montez votre bras droit
Étirez-vous bien. Et on revient et relâchez. À présent, venez entrelacer vos doigts et vous allez pousser les paumes de main vers l'avant. Inspirez ici. Montez vos bras en direction du ciel. Regardez vers vos mains si vous n'avez pas de problème au niveau des cervicales. Sinon, vous pouvez tout à fait garder votre tête dans l'axe de votre colonne. Ramenez les bras parallèles au sol. Ramenez les bras vers vous. Inspirez, poussez bien dans les paumes de main. Montez vos bras. Ramenez vos bras parallèles au sol. On replie les coudes et on recommence. Inspirez. Étirez-vous. Sentez que votre colonne ici s'étire vers le ciel. On pousse bien dans les mains. Les pieds sont bien plantés au sol. Et une dernière fois. Et revenez. Déposez vos mains si vous avez besoin. N'hésitez pas à venir bouger un petit peu vos épaules. Puis vous allez inspirer. Montez les bras en direction du ciel. Expirez, déposez votre main gauche sur votre genou droit et la main droite ici peut venir attraper l'arrière de la chaise. Grandissez-vous et rotation. C'est le nombril, puis les épaules, puis la tête qui se tourne. Ne forcez pas trop si vous avez des douleurs au niveau du bas du dos. Et on revient, inspirez, montez vos bras en direction du ciel, expirez, rotation vers la gauche. C'est la main droite ici qui vient tenir ou se positionner plutôt sur le genou. Et on dépose la main gauche à l'arrière de la chaise. Inspirez, montez les bras en direction du ciel et rotation. Le regard loin derrière. Votre épaule, si c'est possible, encore une fois, si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, ramenez un petit peu votre tête. Inspirez, montez les bras en direction du ciel et expirez. Grandissez-vous, la colonne est longue, les épaules sont basses, relâchez votre mâchoire et revenez au centre. Gardez toujours votre colonne bien longue. Sentez bien les ischions sur les chaises, sur votre chaise. Ici, on peut même enlever un peu la chair des fessiers pour vraiment sentir l'ancrage au niveau des ischions. Puis inspirez et décollez votre pied droit de la chaise, du sol. Et on vient ici rapprocher le genou de la poitrine. Grandissez-vous. Les épaules sont basses. Et on reste ici. Rapprochez bien le genou de la poitrine. Relâchez vos épaules et on dépose le pied droit. À présent, décollez le pied gauche. On vient encercler notre genou. Gardez la colonne haute, la colonne longue. Inspirez et ramenez le genou près de la poitrine. Restez ici. Tous les traits de votre visage sont lissés. Et ramenez le pied au sol. À présent, vous allez tenir l'assise de votre chaise avec vos deux mains. Décollez le pied droit et on vient tendre le pied et tendre la jambe. Le pied flex, gardez toujours votre colonne bien longue. Repliez votre genou, tendez à nouveau votre jambe. On replie le genou. Et on vient tendre la jambe. Poussez bien dans votre talon. Alors vous pouvez aussi tendre la jambe de manière assez basse. Vous n'êtes pas obligé de monter la jambe. Pliez, déposez votre jambe. Inspirez, montez les bras en direction du ciel. Expirez, ramenez vos mains sur votre assise, puis décollez votre pied gauche, pliez le genou, puis
Puis tendez le genou à l'expiration. Tendez bien votre jambe, le pied flex. Inspirez et tendez votre jambe. Inspirez, le genou plié. Expirez, on vient tendre la jambe, les orteils bien pointés vers le visage. Et on replie, déposez votre pied au sol. Écartez légèrement vos pieds. Inspirez et on va relâcher en direction du sol. Déposez vos mains au sol si c'est possible pour vous. Relâchez complètement votre tête. Relâchez bien vos épaules. Respirez profondément ici. Et remontez tout doucement. Rapprochez légèrement vos pieds. Vos pieds sont parallèles à la largeur de votre bassin. Inspirez, montez les bras en direction du ciel. Étirez-vous jusqu'au bout de vos doigts. Expirez, ramenez les bras le long du buste. Encore une fois, inspirez. Montez vos bras en direction du ciel. Venez joindre vos mains en Anjali. Et on vient descendre doucement les mains en direction du cœur en expirant profondément. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. Namasté.